bien bonjour à toutes et à tous, c'est Corentin 92, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux attaques plutôt stylées que j'ai fait en Master 2, donc aux alentours de 2-3000 trophées, même si la première sera en Master 3 il me semble, puisque je l'avais tournée avant, mais il fallait vraiment que je vous la partage, c'était vraiment très très sympa. Du coup on va commencer et on va passer tout de suite au premier gameplay, où vous allez voir où je gagne un nombre de trophées affolant. Donc c'était à l'époque où j'avais un HDV piège, donc de nombreux HDV m'attaquaient, et là on voit très bien que c'était un HDV 8 qui m'a attaqué, et là j'ai saisi l'opportunité, j'ai fait une vengeance, donc le nombre de trophées pillés sera dévoilé à la fin, mais vous voyez que j'ai fait une stratégie de go, oui, j'ai balancé mes 3 golems à la face du bas. Non, d'abord je lance mes casse-briques, stratégie impressionnante, mais bon. Oui, donc là j'ai fait à la bourrin, j'ai mis mes 3 golems, suivi de tous les sorciers tout simplement. Et les 5 sorcières qui vont être derrière, qui vont faire un sacré travail. Vous verrez que c'est une attaque qui va être gérée, mais très 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 facilement. Un carnage tout simplement, je mets un petit sort de saut qui n'a pas été très utile puisque le centre a déjà... Non, je mets pas de sort de saut, excusez-moi. Le centre a... Si, j'ai mis un sort de saut, ce qui est totalement débile puisque le centre était déjà percé. Le sort de soin, lui, par contre, va permettre à mes troupes d'éradiquer le château de clan. En plus, la personne que j'attaquais avait énormément de ressources. Vous voyez qu'elle était en Master 1, donc c'est ça qui m'a permis d'avoir un nombre de trophées délirant. Je ne vous spoil pas, mais vous le verrez à la fin. Donc les héros qui sont au centre du village avec tous les golems, tout le monde a plein de vie, les réserves d'or pleines qui vont disparaître en un quart d'instant avec la reine et les sorciers qui pillent dessus. Vous voyez un gameplay qui se déroule très 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 facilement. On arrive déjà aux 3/4 du village qui sont rasés, il n'a presque plus de ressources, nous on lui a tout pris. Vous voyez encore 3 golems qui sont en forme, un qui a été divisé en deux. On arrive déjà au 93-96%, le 100% qui est donné. Et vous voyez que le nombre de toutes les troupes qui me restent. Et j'ai gagné un total de 49 trophées. Donc je vous promets que pour l'adversaire, ça a dû lui piquer moins 49. Et c'est pour ça que je trouve que cette attaque mérite sa place tout simplement dans ces deux attaques incroyables à 3000 trophées. Donc la deuxième attaque, j'attaque encore en go, oui, cette technique, je l'aime vraiment. On met des casse-briques tout simplement pour perforer le village et on balance les sorcières en arrière pour qu'elles créent tout leur squelette et pénétrer dans le village en beauté. Les héros qui suivent bien la cadence et le tout enragé fait quand même de gros carnages. Le sort de saut qui va permettre aux golems d'accéder directement au cœur du village avec un sort de soin pour les aider à éradiquer le château de clan. Les héros malheureusement partent sur le côté, ça va me coûter cher je pense à la fin du gameplay, vous comprendrez pourquoi. Mais sinon, vous voyez que ça a l'air de plutôt bien se dérouler, donc l'HDV qui commence à prendre cher et qui va finalement tomber aux mains de nos sorciers. Malheureusement, les héros sont sur le côté et commencent à prendre cher par la Tesla, en même temps par la tour d'archer et la tour de l'enfer. Ça leur fait un peu mal, mais vous voyez que le cœur du village est désormais défoncé tout simplement, les trois compartiments du haut aussi, et vous voyez que les golems, les sorcières et les sorciers s'attaquent d'ores et déjà au reste du village. Vous voyez qu'on est déjà au 62%, les golems qui ont malheureusement du mal avec ce mur 8, mais qui arrivent quand même à le casser et continuent à défoncer tout simplement les autres défenses. Malheureusement la reine d'archer qui a quand même un peu du mal hein, et qui prend très cher tout simplement et qui arrive au bout de sa vie. Mais vous voyez que là il reste encore un gros golem et 4 golemites et ils commencent à progresser dans le village, vous voyez. Et ils ont encore du mal avec ce fameux mur 8 qu'ils commencent à retaper, mais les deux sorcières qui sont en arrière-plan commencent à faire leur taf, et ça va bien nous aider parce que toutes les squelettes qu'elles envoient sont très utiles. Donc ça commence à taper la caserne à droite, les héros qui sont morts à côté à gauche, et les golems qui essayent de leur mieux de casser ce mur 8 qui sont harcelés par cet arc UX et la tour d'archer en même temps. Et mine de rien, la sorcière qui fait son travail, vous voyez qu'elle a réussi à casser ce mur. Non, pas encore, elle ne l'a pas encore cassé, mais elle a cassé des cabanes d'ouvriers. Vous voyez que le gameplay commence à... Ça se ralentit tout ça, hein. Mais on arrive vraiment à la fin du gameplay. Là, pour l'instant, on est au 92%. Le golem qui arrive enfin à casser ce mur 8 et il commence à taper la défense tyrène aidé par quelques squelettes. Vous voyez que là je vois que la sorcière se fait tuer, malheureusement je suis très désemparé, mais là il y a une autre sorcière qui arrive
À la droite, 94%, je commence à être très stressé, il ne reste plus que 20 secondes. Un deuxième Golemite qui arrive, et là qui arrive à casser cette défense entière, cette défense tyrène. La réserve d'or qui commence à se faire attaquer par un petit squelette. 98%, ça commence à être très chaud. Il reste 6 secondes et je pense que vous l'aurez deviné, ça ne se finira pas en 100%. Mais néanmoins, je trouve que cette attaque a sa place dans les deux attaques incroyables à 3000 trophées, tout simplement puisque ce genre d'attaque suscite des émotions très fortes, telles que le stress encore, ou la joie quand vous arrivez à faire votre 100%. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un like, à vous abonner si ce n'est pas le cas pour suivre l'intégralité de mes vidéos, et ou encore à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous retrouve pour la prochaine.